qu'en fait, la seule personne avec qui tu te bats réellement, c'est toi-même. À la place de passer des années à essayer de bâtir des systèmes techniques pour se battre contre le marché, t'essayais plutôt de te mettre avec le marché. Ma gestion de risque, le fait d'être sorti en amont, vient du fait que je comprends bien le marché. Les personnes rachètent quand tout va mal. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans le futur, les choses iront mieux. Dans cette vidéo, j'aimerais te révéler quelque chose qui, en tant que trader, tu dois absolument entendre et absolument comprendre. Alors laisse-moi recontextualiser. 90% des traders pensent que le marché Forex est un marché complètement cheaté, complètement manipulé de A à Z avec toutes les plus grosses institutions financières et les banques centrales qui sont là pour aller chasser les stops, aller chercher la liquidité des traders retail et que finalement le marché Forex est un genre de monstre qui est là pour manger tous les traders qui oserait s'aventurer sur ce marché et ce qui est donc la raison pour laquelle, on le sait tous, 80% des traders sur le marché FX perdent de l'argent et cette grosse bête féroce qu'est le marché FX en serait la raison. Mais justement, je vais te révéler plusieurs choses à ce sujet-là. Donc, comme je te disais, la plupart des traders retail pensent que le marché Forex est ce monstre qui vient essayer de récupérer ton argent. Et d'ailleurs, un de leurs arguments pour ça, c'est que le fait de trader le marché FX, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quand quelqu'un gagne, un autre perd. Alors, en théorie, oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que les montants avec lesquels tu joues sont tellement insignifiants sur ce marché qu'en fait, la seule personne avec qui tu te bats réellement, c'est toi-même. D'accord? À moins que tu aies un portfolio ou que tu sois une institution, ou que tu aies un fonds, ou peu importe, avec plus de 100 millions de dollars, là, le fait que ça soit un jeu à somme nulle commence à avoir un impact, mais à moins de ça, et si comme ma part, tu as un capital à plusieurs millions de dollars, même à ce stade-là, mais c'est tellement insignifiant et tu ne représentes rien. Donc le marché en lui-même est extrêmement neutre. Évidemment, là, je mets de côté tous les scams un petit peu obvious, ou les prop firms scams, ou les brokers scams qui vont avoir un conflit d'intérêts pour te prendre ton argent. Ok, ça, c'est un truc à part. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet et je mets aussi de côté les quelques cas de manipulation qu'on a pu voir très spécifiques. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo où je te parle justement d'une manipulation qui a eu lieu de plusieurs cartels, ce qu'on appelle cartels de banque, où ils ont réussi à manipuler le cours de quelques paires de monnaies pendant ce qu'on appelle le London Fix. Si ça t'intéresse, va checker cette vidéo. Mais à part ça, le marché est complètement neutre. Et le problème, c'est qu'on voit beaucoup de traders passer des années à développer des systèmes techniques pour essayer de se combattre, d'essayer de battre le marché Forex. Et dès que leur système technique ne marche pas pendant une période de temps, ça va toujours être la faute du marché. La faute du fait que les marchés sont manipulés. Mais alors à l'inverse, ces mêmes traders, dès qu'ils ont des séries de gains, ah bah là, c'est évidemment pas la faute du marché, c'est toujours grâce à leur système technique miracle, toujours. Donc s'il te plaît, ne sois pas ce trader. Et si je te disais que maintenant, à la place de passer des années à essayer de bâtir des systèmes techniques pour se battre contre le marché, toujours c'est la faute du marché, etc., t'essayais plutôt de te mettre avec le marché, trader avec le marché. Je te dis pas de trader avec la tendance, je te dis de trader avec le marché. C'est-à-dire comprendre le marché dans sa globalité pour pouvoir trader avec. Alors tu vas me demander comment c'est possible? Bah, c'est possible grâce à l'analyse fondamentale et la macroéconomie. Tu vois, en tant que trader, on doit réussir à utiliser les informations et les données macroéconomiques, réussir à les analyser pour pouvoir se placer le plus souvent dans le sens du flux institutionnel. Parce qu'au bout du compte, le flux institutionnel, c'est ce qui fait réellement bouger les marchés parce que c'est là où il y a le capital. Et ayant travaillé en fonds d'investissement, je peux te dire que ce qui va différencier n'importe quel fonds d'investissement de trader retail, c'est que 100% des fonds d'investissement, 100% des institutions vont utiliser la macroéconomie comme driver pour leurs investissements et pour leurs placements. Donc évidemment, ça demande une compréhension plus profonde des marchés et d'ailleurs non pas que du marché FX, mais il faut comprendre qu'il y a une interconnexion des marchés. Donc il faut comprendre le marché FX, le marché obligataire, le marché des actions, le marché des commodités qui fonctionnent tout ensemble. Mais donc, il faut avoir une compréhension plus profonde de ce marché. Et malheureusement, 90% des traders retail préfèrent chercher l'indicateur miracle qui va leur montrer quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut revendre. Alors, je ne dis pas que les systèmes techniques basés sur des supports résistance ne marchent pas, mais que l'analyse technique, c'est une pièce du puzzle sur un puzzle où il y a 10 pièces. Il y a plein d'autres drivers comme justement
justement les données macroéconomiques comme la géopolitique, comme les décisions de politique monétaire, les biais sous-jacents macro, la saisonnalité et comme je t'explique, l'analyse technique est un driver, oui, mais une pièce sur un puzzle où il y a 10 pièces. Si on prend par exemple une position que j'ai pu exécuter le 18 mars 2024 qui était un short sell sur euro-dollar où j'ai pas gagné beaucoup, mais le thought process est assez intéressant derrière le trade, je vais te montrer ça. Pour te contextualiser la position, je l'ai exécuté le 18 mars et le 20 mars, il y avait la décision FOMC de la Federal Reserve, donc qui va impacter le dollar. Alors, ce que tu vois juste ici, c'est le setup que j'avais sur euro-dollar. Et toute l'idée derrière cette position, c'était qu'on avait, on va dire les deux dernières semaines, une rhétorique assez dovish du côté de la Fed, avec trois cuts de taux d'intérêt qui étaient priced in, une décision FOMC qui arrive, et au préalable, des données macroéconomiques de CPI et PPI, donc d'inflation, qui sont sorties un peu plus haut que prévu, qui reviendraient mettre en cause toute la rhétorique de l'inflation revient au target de la Fed. Je rappelle que le target de la Fed pour l'inflation, c'est 2%, ce qui voudrait dire que la Fed pourrait se permettre de commencer à cut les taux. Donc ça vient remettre un petit peu en cause ça, mais comme je te dis, la rhétorique depuis les deux dernières semaines, c'était assez dovish quand même. Donc là, on a notre biais sous-jacent macro, si tu veux. On a le FOMC qui va sortir. Pour moi, le risque est à la hausse. Il y a plus de chances, on va dire, que le marché réagisse à des commentaires hawkish de la Fed plutôt que des commentaires dovish qui seraient un petit peu plus priced in et surtout où plus de personnes se sont déjà positionnées. Donc, plus de 48 heures avant cette décision FOMC, 72 heures avant, je commençais à regarder des setups où je pouvais potentiellement acheter du dollar. Donc là, évidemment, je vais chercher une exécution technique parce qu'au bout du compte, j'ai une idée fondamentale, mais pour l'exécution, il me faut des prix, il me faut un prix d'entrée, il me faut un prix de sortie en perte et un prix de sortie en profit. Et là vient le price action, vient les flux, vient le côté technique. Donc pour moi, le setup le plus intéressant, c'était ce euro-dollar à la baisse potentielle où tu peux voir, on a ce rejet ici, donc une première impulsion baissière et on vient faire cette petite accumulation correction pour potentiellement une autre impulsion à la baisse qui serait confirmée par une Fed un petit peu plus hawkish, ce que je regarde. Et donc, tu peux voir que l'idée de l'exécution sur cette position, ce serait un breakout ici de cette petite structure pour aller continuer à la baisse. Donc, si on vient zoomer ici, ça nous donne littéralement ça. Donc, comme tu peux voir, on a bien eu cette impulsion, on a eu cette petite correction. Au moment du break, j'ai pu exécuter ma position de vente sur euro-dollar, donc d'achat dollar pour me positionner avant le FOMC. Maintenant, dans ma tête, je me suis dit que euro-dollar devrait continuer plus ou moins plat jusqu'au FOMC où on devrait avoir un mouvement baissier. Maintenant, ce que j'avais en tête et ce à quoi je m'attendais, c'est qu'après ce breakout, on voit peut-être un retest et qu'on voit le prix en fait bouger de manière assez flat avant une potentielle baisse pour le FOMC. Pourquoi ? Parce que de manière générale, la plupart des traders et des investisseurs, quand je te parle des traders et des investisseurs, je te parle de la plupart en termes de volume, d'accord ? Pas en termes de nombre. Donc en termes de volume, on l'a déjà dit, mais qui envoie du volume ? Ce sont les institutions, ce sont les big players et non pas les petits traders retail qui vont juste trader l'analyse technique. Mais de manière générale, ces big players ne vont pas mettre de gros risques avant une annonce type FOMC. Généralement, ils ne vont pas le faire parce que c'est un risque à prendre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, avant les annonces économiques, on a tendance à voir un price action qui est assez concis, assez compacté sous forme de range parce que bah, qui va envoyer du gros volume ? Il n'y a pas de sens. Alors que là, comme tu peux voir, avant même la décision FOMC, on a commencé à voir déjà cette impulsion qui était là, ok ? L'impulsion que je cherchais, on l'a déjà vue, ce que je trouvais bizarre. Mais en comprenant le marché, en fait, tu comprends que l'idée que j'avais, donc c'est-à-dire que la plupart des traders et des investisseurs sont un petit peu trop dovish sur le dollar et que donc le risque pour le dollar est plus à la hausse qu'à la baisse. Quand je dis que le risque est plus à la hausse qu'à la baisse, c'est que une surprise hawkish pourrait pousser le dollar par exemple de 100 pips à la hausse, alors qu'une surprise dovish pourrait le pousser de 20 pips à la baisse. Je te donne un exemple. Mais donc là, le risque serait à la hausse. Il y a plus de mouvements haussiers potentiels. Et ça, je pense qu'en fait, plusieurs traders et investisseurs l'ont vu en amont du FOMC, comme j'ai pu le faire, et se sont donc positionnés exactement comme j'ai pu le faire. Donc, est-ce que de mon côté, je me dis « Ah, bah génial, du coup, tout le monde pense comme moi, et c'est très bien, et je garde ma position telle qu'elle ?» Non. Parce que du coup, ce à quoi je m'attendais devient de plus en plus priced in. Et donc, on se retrouve dans un scénario très classique de « Buy the rumor, sell the fact ». Donc, achète la rumeur et vends l'annonce, vends la data. Le fait que beaucoup de personnes ont pensé comme moi avant ce FOMC fait que le FOMC en lui-même devient de moins en moins intéressant. Et donc, comme tu peux voir, ce que j'ai pu faire à la suite, c'est qu'on a eu cette impulsion, on est venu corriger, on est reparti à la baisse. Là, on était juste avant
la décision FOMC, enfin le matin, la décision était FOMC, était dans l'après-midi, et tu peux voir que j'ai pu clôturer 50% de mes positions sur cette petite zone de support. J'ai enlevé 50% de mes profits parce que pour moi, on rentrait dans ce truc buy the rumor, sell the fact, où la plupart du mouvement a déjà été pris en compte parce que beaucoup de traders et d'investisseurs ont pensé exactement comme moi. Donc j'ai pu sortir des profits et commencer à trail mes stops. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a eu plutôt une surprise dovish, en fait, de la Fed. Pas du tout une surprise hawkish comme ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Donc on a eu plutôt une surprise haussière, on a eu le prix qui a pété à la hausse. J'avais mes trail stops avant l'annonce FOMC, 50% sorti ici, 50% sorti ici, ce qui me donne un risk to reward total en profit à 0,87. Donc, je te le montre absolument pas ça en mode c'est un gros trade, en aucun cas, hein. J'ai même pas fait un fois mon risque. Mais c'est pour te montrer que ma gestion de risque, le fait d'être sorti en amont, vient du fait que je comprends bien le marché et je comprends pourquoi on a eu cette baisse alors que le FOMC n'était même pas encore arrivé. Donc en fait, que les personnes étaient en train de price in une surprise hawkish qui est exactement l'idée que j'avais. J'espère que tu peux comprendre. Donc je te montre pas ça pour le profit, je te montre ça pour la gestion. Donc ça, c'est un exemple récent, concret. Mais sinon, on voit aussi parfois une banque centrale, par exemple, décider de hausser ses taux d'intérêt et à l'annonce, le prix de la monnaie chute. Donc ce qui serait donc contraire évidemment à la théorie de quand les taux d'intérêt augmentent, la monnaie devrait aussi prendre de la valeur parce qu'elle devrait attirer des nouveaux investisseurs. Mais parfois, on voit l'inverse. Et là encore une fois, tous les traders retail vont appeler à la manipulation. Ah, c'est bon, le marché nous a pas manipulé, les institutions ont liquidé nos positions, alors que bah en fait pas du tout, c'est juste qu'ils ne comprennent pas comment le marché fonctionne, le fait que le marché soit ce qu'on appelle un discounting mechanism. Donc si on regarde par exemple en termes de price action, tu vas mieux comprendre. Ici, on a par exemple un price action typique où on va avoir une hausse de taux d'intérêt qui est priced in. Donc à partir de ce moment-là, tu vois qu'il y a eu une hausse de taux d'intérêt et le prix, au lieu d'exploser à la hausse, explose à la baisse. C'est là que les traders retail appellent à la manipulation. Sauf que qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le price action dans sa globalité et qu'on comprend le marché? On voit que premièrement, on a eu une hausse des prix en amont de cette décision qui montre le discounting mechanism. Ce qu'on appelle discounting mechanism, c'est que le prix d'un actif, c'est généralement ce à quoi les gens s'attendent dans un futur. C'est pourquoi on voit généralement le stock market, les actions américaines par exemple, bottom, être à leur plus bas, donc c'est-à-dire le meilleur moment pour investir hein, si c'est à son plus bas. On voit généralement ça arriver quand tout va mal. Et donc les personnes rachètent quand tout va mal. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans le futur, les choses iront mieux. C'est là qu'on a le discounting mechanism. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu avec l'euro-dollar auparavant. C'est-à-dire, beaucoup de personnes s'attendent à quelque chose qui va arriver sur le FOMC, donc commencent à se positionner. Et c'est pour ça que l'euro-dollar avait chuté et la raison pour laquelle j'ai sorti des profits avant le FOMC, parce qu'on commençait à discount un petit peu trop l'idée que j'avais eue. J'espère que tu captes. Mais donc là, ce qu'on voit, c'est cette annonce, cette hausse de taux d'intérêt qui commence à être priced in. C'est pourquoi on voit cette tendance haussière. On voit un discounting mechanism. Juste avant l'annonce, qu'est-ce qu'on voit? On voit une prise de profit des personnes qui commencent à vendre tout simplement pour sortir des profits avant l'événement à risque, ce qui serait similaire à ce que j'ai fait sur euro-dollar par exemple. Et donc, quand vient l'annonce, quand vient la décision de politique monétaire de hausser les taux d'intérêt, on voit un flush plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce que cette annonce était déjà priced in. Tout le mouvement haussier a déjà eu lieu. Tous les gens qui voulaient acheter parce que les taux d'intérêt vont être augmentés, ils ont déjà acheté. D'où la raison pour laquelle on a ce flush. Mais quand on a ce flush, ça peut donner des opportunités de buyback aux personnes qui ont une vision un petit peu plus long terme. Et donc, d'ailleurs, tu peux voir, mais après cette impulsion, ce flush qu'on a vu vient parfaitement sur les 61,8. Donc là, on a en effet notre driver technique qui, comme tu peux voir, a bien été respecté. Et ce qu'on a vu par la suite, c'est une continuation de ce mouvement. C'est-à-dire que, évidemment, le fait qu'il y ait eu une hausse de taux d'intérêt a un impact, mais à très court terme, les traders retail vont appeler à la manipulation juste parce qu'ils n'ont pas compris ce système de discounting mechanism où il y avait une opportunité ici. Ici, à la limite, pas tant, mais il y avait une opportunité de re-rentrer justement par la suite pour une continuation de ce mouvement haussier. Mais donc, j'espère que tu comprends qu'en voyant ce price action, ce qu'on voit, c'est pas là pour attraper les traders retail. C'est juste que les traders retail, ils comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais ils sont pas là à essayer d'aller chasser les stops des retail, c'est pas ça. Donc ce genre de situation qu'on voit sur les marchés surprennent seulement les personnes qui ne comprennent rien au marché et offrent des opportunités à ceux qui les comprennent. Après, bien évidemment, parfois le marché va faire l'inverse opposé de ce à quoi tout le monde s'attend, mais ça reste une minorité. C'est pas la généralité du marché. Et c'est d'ailleurs pourquoi on gère nos risques, on fait toujours extrêmement attention et qu'on peut aussi parfois tomber dans des périodes
période de drawdown, comme ça a été mon cas en janvier. Mais donc, s'il te plaît, ne sois pas ce trader qui ferme les yeux sur les vrais catalyseurs du marché, ce qui fait réellement bouger les marchés parce que ça paraît trop compliqué, ça demande de l'effort et qui préfère juste mettre la faute sur le marché tout le temps. Et honnêtement, de mon expérience, et des traders, j'en ai connu énormément de par ma situation sur les réseaux et en ayant coaché énormément de traders, une grande majorité sont des traders perdants, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont émotionnellement faibles, non, généralement c'est une question d'ego en fait. Beaucoup perdent de l'argent en trading à cause de leur ego, soit parce qu'ils pensent tout savoir, soit parce qu'ils n'acceptent pas d'être dans le tort. Donc généralement, bah, tu mets le tort sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est les institutions, c'est les grands méchants, c'est les banques qui viennent chasser tes stops. Donc un conseil, prends le temps d'étudier tous ces facteurs qui impactent le marché, tous ces facteurs macroéconomiques et leur impact réel sur les marchés. Une fois que tu auras toute cette compréhension, tu arrêteras de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, tu seras en combat contre toi-même et tu devrais enfin atteindre la rentabilité.